mes grands amiraux, ici Starcade, votre hôte, et nous retrouvons pour une bataille du premier de la classe avec Cyborgs, qui est à la, aux commandes du Myoko, croiseur japonais de rang 7. Alors, vous pardonnerez aussi un peu les saccades qu'il y a dans la vidéo elle-même, parce que Cyborgs m'a prévenu qu'il était, qu'il n'avait pas un bon rendement graphique, donc même les replays sont un petit peu saccadés de temps en temps. On peut voir de temps en temps, oui, regardez le navire là, il saccade un peu. Alors on va passer en fait en... quand je passe en vue moi, c'est-à-dire vue du spectateur qui contrôle le navire, ça va. Mais quand on est sur le... regardez, sur le contrôle du joueur, ça va pas. Donc tant qu'il tire pas ou qu'il n'y a pas d'action précise, on restera sur ma vue à moi. Alors, qu'y a-t-il dans l'équipe ? Alors nous avons un Colorado, Lyon, Bayern en face, donc c'est une bataille de rang 5 à 7. Il y a un Autobria Revolutia aussi. Attenta, Indianapolis, York, Furutaka, 2 Furutaka. 2 Mas et un Monaghan. Ou Monahan si vous voulez. Et dans l'équipe ami, il y a Gneisenau, Scharnhorst, Normandie, Autobria Revolutia, donc ça va. Pour l'instant c'est assez bien équilibré. Quoique Colorado face à Gneisenau. Ouais. Ouais. Et ça commence tout de suite, ça commence très vite. Les navires sont à distance de tir. C'est fou ça. Ils tirent, je suppose, sur le mas. Ou pas. Mais je pense que c'est le mas, ouais, il a visé le mas, je pense. Alors, tu vises quoi le mas? Tu ne fais rien, mon cher. C'est bizarre cette saccade. Et on voit son avion, il a bien raison. Détecter les torpilles, c'est quand même important. Très très important. Le Lyon 17 km, il a une portée de tir de 15.6 seulement. Ah voilà le mas, mais il passe derrière l'île. C'est important pour lui de garder le contrôle de B. Il est en train d'être prise quand même. Hein. Il y a un croiseur dans le... dans la base, donc il a intérêt à tirer maintenant. Le cas a détruit la Katsuki, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu attends, Cyborg, pour tirer sur le Protaka qui est à 6,8? Voilà, on est parti pour. Enfin, j'aurais plutôt vu la paix, mais c'est vrai que là, tu passes à la paix. Au perforant, au but perforant, ça va te taper. Alors, le Protaka fait très mal aussi, évidemment. Hein. Allez, une seconde avant de tirer les perforants. Ça va faire mal, une citadelle seulement, mais bon. Hein. C'est dommage, hein. Il aurait pu tirer au perforant depuis le début. Il y a d'autres chats à fouetter apparemment avec le torpille, avec l'Atlanta qui est là. Bon, maintenant, il peut tirer à bout portant, pratiquement, 8 km. Le Colorado détruit New Orleans, on est quand même à 3 navires détruits dans l'équipe ami. C'est bon, adieu Atlanta. L'équipe ennemie a pris une base, elle est en train de prendre les deux autres. En tout cas, elles sont contestées. Ouh, on a tiré dessus, c'est l'Octobria qui a tiré dessus? Peut-être, c'est possible. En tout cas, il passe derrière l'île. Il est repéré. Attention, destroyer juste là. Faut s'en débarrasser. Mais alors, le plus vite possible. Hein. Bien touché, un petit peu trop en arrière, peut-être. Les secondaires commencent à prendre le relais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Protaka Dark Joker a détruit le Minsk. On a un York là-bas. Faire attention aux torpilles peut-être parties. Mais je pense pas à mon avis, non. Un petit York dans la nacelle peut-être. Presque, presque. Presque, attention à l'île. Oula, faut attention au lion qui est derrière et au... le mas aussi. On tourne derrière l'île. Il a tiré sur le lion. Pas terrible tout ça. Le mas se tire dessus aussi. Les torpilles n'ont pas été magnifiques de la les torpilles des. Du mas. Par contre le lion là avec ses avec ses 340 mm ouille, ça fait mal même en incendiaire. Moi j'ai des points de structure atteints.
Pour l'instant, ça va. Ils ont détruit plus de navires qu'ils en ont perdu. Par contre, ils n'ont pas de base. Donc, ils perdent la partie au niveau stratégique. Ah oui, d'accord. Celui du démoral, il m'a fait peur. Alors, avec le Myoko, je sais plus si c'est le Myoko ou le Mogami. Ah non, c'est Mogami. Mogami qu'on peut avoir en 15 canons de 155. 10 canons de... Comme le Myoko d'ailleurs, 10 canons de 203 mm. Intéressant 155 parce que vous rechargez très vite. Donc vous pouvez vous permettre de mettre le feu à pas mal de choses. Bon allez, il commence à aller tranquillement vers le lion. Devant lui, le mas. D'un côté, t'as l'émeral qui passe, de l'autre côté, il y a le mas. Attention. Le mas va-t-il se découvrir? Ou est-ce qu'il va rester derrière son nid, torpiller? Je sais pas. Oh, il est mal, le mas. Comme on dit. Oh, puis en plus, il vient juste de commencer à mettre ses. Jolis, ses 1400 points de soutien. Attention, on torpille. Là, il met son nez confumé. L'émeralde, oui, bah non. Sont les torpilles, on sait pas. 2179. Il a presque fini. Un incendie. L'émeralde l'a eu, parfait. Le lion est là-bas. L'équipe ennemie avait l'avantage au début, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Le Colorado, lui, essaie de lui faire mal. Il a failli l'avoir d'ailleurs. Il reste encore 12 minutes dans la partie. 320-392. La base B est en train de reprise par l'ennemi. La base A et la base C sont tranquilles. Il tourne, il fait bien. Faut pas rester de flanc face à un Colorado quand on a un croiseur, hein, c'est sûr et certain. Le lion a détruit pour Otaka. 6 à 5 pour l'équipe de Cyborgs. Un peu trop loin peut-être. Bon, ça va, ça a l'air d'être bien parti quand même. Ouais, couché, avec un incendie en plus. Oh le bol. Maintenant il faut retourner vers A et reprendre A à tout prix parce qu'ils sont en train de reprendre les bases une par une là. Enfin, ils ont pris à nouveau les bases B, donc ils sont en train de la prendre. Donc là on est... Hey, ils sont un peu dommages là, ils sont à 7, à 6. Le lion à 7 km, Colorado. Les 3 bases sont à l'ennemi. Bon, maintenant pour les capturer, les bases. Hein. Pas rester à rien faire. Normandie et lui vont vers A. Ils vont passer en dessous de l'île et aller sur A, je pense, à mon avis, parce qu'il faut prendre A vraiment. Les deux cuirassés qui sont à l'est vont essayer de prendre C, je suppose aussi. Et le lion Indianapolis à distance de tir et pour l'instant il est pas repéré donc c'est parfait. La distance de repérage étant à 12.7 et il peut très bien... Ah bah non, il décide de pas... L'équipe ennemie a pris l'avantage. Est-ce qu'il a décidé de capturer la base ou pas? On dirait pas. Le mieux serait d'aller capturer la base. Mais bon, après il fait ce qu'il veut. Hein. points de dégâts. 550 à l'ennemi. Tout peut changer parce qu'il suffit que l'ennemi perde deux navires et c'est bon. Et qui convient de capturer les bases. Par exemple, les deux cuirassés qui sont à l'aise vont capturer la base C. Ah bah non. Bonal, on a eu un, hein, charmant. Donc on est à 5-5. Indianapolis. Le lion. À l'arrière avec un incendie, parfait. Donc, il y aura assez à prendre ou pas? Oui, ils vont prendre A et, B, A et C. Donc, il va falloir qu'ils se démerdent pour détruire des navires parce que là, au niveau des points, ils ont perdu déjà. Stratégiquement, c'est mauvais. Le Colorado là-bas, non, un peu trop en arrière. Le Diapolis, c'est 35 nœuds, hein, donc
Je crois, hein. J'ai 30... En tout cas, c'est au moins 33 nœuds. Donc il va très très vite. Ah bah ouais. Ça c'est sûr. Et personne sur B. Colorado. 85 000, un avion détruit. Que le Colorado reparaisse peut-être. Je sens qu'ils veulent torpiller là. Voilà. Pour l'instant, il peut pas le torpiller. La Volusia a eu Indianapolis, donc parfait. Base A prise. Pour l'instant, rien n'est joué. Hein. Tant qu'il y a un navire en jeu, rien n'est joué. Et tant que le temps n'est pas écoulé, bien sûr. Un petit avion de reconnaissance, enfin un chasseur pour savoir où se trouve le Colorado. Voilà, maintenant il peut essayer de torpiller. Colorado qui veut revenir en jeu, évidemment. Il voit pas le Miyoko. Donc on peut torpiller en paix. Un petit peu à côté et en arrière, la deuxième partie des torpilles. C'est pas bon de se... Enfin, je pense que c'est pas bon de se montrer là, parce que ça veut dire que le Colorado sait qu'il t'a torpillé. S'il est pas bête. S'il connaît un peu les navires japonais. Alors le Colorado, c'est intéressant parce qu'il a pas beaucoup de vitesse et il tourne très mal. Le Virginia vient de se faire détruire par le Lion. Ouh, joli coup par contre là, superbe. 8 obus touchés sur 15, sur 10 pardon. Il est temps de partir. Si Colorado tourne ses canons vers toi, tu es mal. Oh, 7623 avec 8. Waouh. Et là, tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Alors là, le Colorado, il s'enfuit à une vitesse. Mais à une vitesse. Mais il est trop tard. Voilà. Nani ? Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Il reste 3 navires ennemis. Ils sont 4. On va faire demi-tour. Faut qu'ils prennent B et C pour arrêter les points. Et surtout, enfin, je pense que là, le temps qui reste, prendre B et empêcher C de granger des points, c'est bien. Mais je pense qu'avec le temps qui reste, ils vont détruire les 3 navires ennemis ou ils vont se faire détruire. Après, c'est une question de survie. 122 000 points de dégâts pour un croiseur rang 7. Bravo en tout cas. Super coup à la torpille aussi. Il devait pas s'y attendre, mais ça, c'est étonnant en fait. En voyant les fesses du Miyoko de dépasser derrière une île, tu te dis oh, tant pis, parti, là je fais un grand tournant. Et qu'il n'a pas envie. Bon, tu t'arrêtes tout de suite, tu te mets en arrêt et tu tournes vers les torpilles ou vers le Miyoko pour être sûr d'être manqué par ces torpilles. Monaghan a détruit le Normandie. Ça sent mauvais toujours là. 3 à 3. Vont-ils perdre, vont-ils gagner? Rien n'est sûr. Il y a plus de grandes chances qu'ils perdent là. Hein. À quoi que le Lion est mal quand même. Hein. Le Najnao est toujours en pleine forme. Octobriar et Volusia. C'est très sympa aussi. Là, il est pas en pleine forme, mais il est bien quand même. Donc là, je pense qu'il y a une petite défaite possible. On aurait eu le suspense jusqu'à maintenant, mais après, je pense que là, c'est la défaite. À moins que le Najnao, bien sûr, survive et torpille le Volusia, ce qui m'étonnerait. Vu la manière dont les torpilles sont anglais. Il y en a qui dit tuer ce Lion first, en premier. Joli tir sur le Volusia. Il y a un autre croiseur hein, qui est en. Ouais, c'est l'Emerald qui est toujours vivant. L'Emerald est toujours vivant. Non, le canard était toujours vivant. Là, un coup bien ajusté du Revolutia et le Miyoko est fini. Hein. Mais. Allez, 1635. S'il pouvait refaire des coups à 7000 comme il a fait contre le Colorado, ce serait pas mal. Le Mona a eu le Nagsnao, donc la partie est perdue, je pense, à mon avis. L'Emerald va-t-il réussir à torpiller? Non. La Volusia, ses tourelles ne sont pas tournées dans le bon sens. Donc il va se prendre au moins plusieurs bordées du. Voilà, un pied d'incendie. Bordée du Miyoko avant. Là, je vois mal l'Emerald survivre. Mais bon, après tout, on verra. Le Revolucia lui-même n'est pas bien. Il
voudrais finir avant qu'il tire à nouveau sur le sur l'émeralde, si possible. Incendie. Et là, je pense même au niveau des points. Détruit, troisième. Et en plus, il a détruit le. Il a détruit l'émeralde. Le Monahan, mais je pense que le Monahan va commencer à lui tirer dessus, voilà. Il va l'avoir à petit feu, je pense. Non, il a attendu d'avoir tous les canons en séquence. Manqué. Torpille. Bah, c'est mort. Là, c'est dommage. Belle. Ah non, bah non. Attendez. Ah bah non. 962, ils sont presque à la fin. À part si Cyborgs réussit à mettre vraiment des coups mortels, j'aurais le gagné. Hein. Même s'il détruit le Monahan, il y a toujours le lion qui est vivant quelque part. Ils vont jouer le temps de toute façon. Il a pas d'avion, 989, non ils ont perdu. Jolie bataille par contre. Vraiment jolie bataille, hein, comme on a vraiment d'avoir plus souvent. Et voilà, ils ont perdu. On se retrouve pour statistiques. Eh bien, nous voici sur les statistiques de cette belle défaite qu'a effectué donc Cyborgs avec son Myoko. Donc une bataille assez réussie pour lui, malheureusement qui ne s'est pas transformée en victoire. Dommage. En tout cas, il a reçu 240 000 crédits, donc c'est pas trop mal. 2353 points d'expérience, 118 points d'expérience libre, soutien et gros calibre. Ouais, quand même que c'est des choses qui sont réservées généralement aux cuirassés, mais bon, hein, deux faits héroïques dans une bataille comme celle-là, c'est quand même pas mal. Donc 135 000 points de dégâts, donc c'est quand même son rang x 10 000 plus 65 000, ce qui en fait une bataille vraiment excellente, proche de la perfection avec son navire tel qu'il est. 139 obus à la cible, une seulement torpille qui a touché qui a fini ce pauvre cuirassé, 7 éléments neutralisés, 3 navires détruits, donc 13 incendies provoqués, une inondation provoquée, 4 citadelles touchées, 2 défendues et 2 détectées. Donc une très bonne bataille pour en tout cas pour Cyborgs avec son Myoko. Et on va regarder tout de suite la liste des joueurs. Alors il est premier de la classe avec son Myoko à 1537 points d'expérience, 3 navires coulés, dernier survivant d'ailleurs on peut voir de la bataille. 1001 points d'expérience ensuite pour le Normandie en dessous. Donc les batailles étaient en, je rappelle qu'il était en 5 à 7, donc il était en rang supérieur. C'est qu'il avait quand même des avantages par rapport aux autres navires. Alors, en face, qui le Tobriel Revolutia fait 3 navires coulés avec 2221. Le Monahan, 3 navires coulés avec 1179. Donc vous avez vu, hein, les scores en face seraient ceux de l'équipe de Cyborgs s'ils avaient gagné. Donc c'est fait que la bataille s'est très bien déroulée. La bataille a été très stratégique. C'était assez long et surtout c'était bien pensé des deux côtés. Donc à un moment ou à un autre, l'esprit stratégique a dominé du côté de l'équipe ennemie et surtout leur a permis de prendre l'avantage. Ce qui est normal. Ensuite, hop là. Maintenant les dégâts. Alors je vois qu'il y a plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est celui-là qui est d'abord. Et maintenant pour les statistiques de combat. Colorado détruit 45 000 points. Et voilà, c'était le Colorado le pauvre qui a pris une torpille sur le petit bout arrière là et qui a fini défuncté. Normal. 11 000 points de dégâts sur le Revolutia coulé. Atlanta 9 000 points coulé. 29 000 points sur le Lion. 16 000 points sur le Mass. Et je crois qu'il y a une deuxième page. On va regarder. Hop là, oui. 10 000 points sur le Furutaka. 7 500 sur le York. 2 900 sur le Minsk. 1 178 sur le Monahan. Bah écoutez, une bataille que je l'ai dit qui était assez excellente. Pas tout à fait parfaite au niveau des dégâts, mais excellente. Donc 135 000 points de dégâts. On va regarder combien d'obus il a tiré. 143 de la batterie principale. Qui n'avait pas tiré, qu'il a touché avec 143 obus. Il a tiré 294,58. Ça nous fait la bagatelle de 352 obus. Donc ça nous fait quand même un bon pourcentage là. Hein. Ça fait presque du 40% là. Hein. Presque 40% d'obus touchés quand même. J'exagère, 35%. 35% d'obus touchés. Ce qui est un très bon ratio pour un croiseur de ce rang là. Et un très bon ratio pour un joueur doué en fait. 3612 par torpille, donc une torpille à toucher.
sur un endroit sans doute. Enfin, elle a pas fait ses dégâts parce que c'était la fin du navire, c'était le Colorado. 39 000 points de dégâts en incendie sur le Colorado, je suppose, parce que c'est il a quand même effectué plus de 45 000 points de dégâts dessus. Donc 39 000 points d'incendie plus les torpilles, boum, juste un peu de dégâts avec les bien sûr avec les batteries principales de base. Donc 3 navires détruits, 6 navires de guerre endommagés, donc 9 navires de guerre endommagés et détruits dans toute la partie, ce qui explique son soutien et gros calibre. Dégâts grâce à la détection 24 000, donc c'est pas extraordinaire. Dégâts potentiels 1 129 000, donc c'est pas super, mais pour un croiseur c'est quand même assez c'est bien encaissé. Un navire de guerre détecté, un escadron détecté, 5 torpilles détectées, point de capture 0, point de défense 11 sur 73, donc pas extraordinaire. Je pense que le plus gros des points d'expérience, comme d'habitude, de 90-95%, ça vient des 135 000 points infligés, de ses exploits héroïques, de sa, son placement, de ses prises de risque. Donc on va faire 95-5 là, je pense, pour les dégâts, pour le 1, 2, 3. Donc on va faire 95%, 5% je pense pour les points d'expérience à répartir. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, et si vous n'êtes pas d'accord aussi. Allez hop, on passe au gain maintenant, gain terminaux. 184 000 crédits en n'étant pas premium, en étant premium il aurait touché 304 000, non premium 2353 points d'expérience, il aurait touché 3529. Donc 2353 points d'expérience, 118 points d'expérience libre. Au niveau des commandants, il a gagné 2353 aussi. Donc il gagne, il grignote petit à petit. Et il aurait été premium, il aurait gagné 3529 et 177. Voilà, voilà. Donc très bonne bataille à toi, mon cher Sixborg. Félicitations d'être premier de la classe en défaite avec une si belle bataille, c'est dommage. Mais en même temps, t'as largement de quoi être content de ta bataille, hein, même au niveau des gains. Allez, moi je vous dis à très bientôt, petits amiraux et grand capitaine. Portez-vous bien, ciao.